C'est Caribbean King. Bien sûr, on est en direct sur Radio Radio des Caraïbes pour un match Guadeloupe. L'équipe de la Guadeloupe. Rochelle. Rochelle. Donc nous regardons ça bien pour moi, parce que nous pas sur les parce que nous voulons quand même une équipe Guadeloupe gagner. Nous on a d'autres équipes Guadeloupe encore, et encore planique à retrouver pour chercher d'autres places, pour la troisième place. Donc là, bon nous un petit potentiel pour créer le passé. Alors bon moi, ça qui va passer aujourd'hui là, quand j'aurai attendu une victoire. Ah ben oui, nous allons attendre une victoire aujourd'hui là, et rien que la victoire, parce que cette situation nous n'est pas en main, non. Il faut nous gagner par plus de 3 buts à 0. Et éventuellement, nous allons dépendre de l'autre match. Donc là, nous allons tout ça dans nos nez pour gagner le match, avant de match. Et après, nous allons voir. Mais sinon, nous venons l'année à ça. Nous venons gagner. Et pour dans les prochaines années, nous venons pour gagner. Donc voilà, on peut le voir. Okay. Donc, potentiel là. Donc, comment tu es vraiment? Parce que certains joueurs n'ont pas connaître. Oui, c'est Patrick Kebaoli. Alors, Patrick, en tapant sur le micro là, Patrick, le président, tu vas t'approcher de moi là. Et nous allons faire des matchs. Ne pas garder le match, alors présenter au RCK et en te poser des questions. Quand tu avais mis pour la conscience, en te poser des questions, juste en fait, tu vas me répondre. Alors, Patrick, pour ce match aujourd'hui, le nom de l'équipe aujourd'hui, c'est quoi? Le nom de l'équipe, c'est COSA Route de Guadeloupe, c'est le comité d'œuvre sociale de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. De Route de Guadeloupe. Alors aujourd'hui, vous êtes dans cette tournoi de football à Lyon et vous êtes pour pouvoir être en deuxième finale, c'est ça? Pour être qualifié ce soir. Voilà, donc il y a le groupe Granit qui ont perdu cet après-midi. Vous avez suivi leur match ici éventuellement. C'était en direct sur la radio RCK. Je de la mon café direct avec les autres pour nous garder qu'ils ont la capacité. Alors en quelques mots, les joueurs connaissent un petit peu. Tu vas commenter avec moi et puis voilà, je te laisse le temps parce que le match a déjà commencé. On va pouvoir revenir avec ça tout à l'heure avec toi. Donc tu commentes un petit peu le match. Vas-y, c'est parti. Bon ben, écoute, là il y a l'équipe de Rochelle qui est en train de faire un centre. Attends-nous les gars. Voilà, il y a Samuel qui retire le ballon. Donc, attention. Malheureusement, but pour Rochelle. Balle qui revient dans la surface de réparation. Donc, premier but quand même. Le match vient de commencer. C'est pas encore perdu. Ouais. Je pense que les mecs vont se remettre en question. Donc c'est en direct sur la radio RCK. Donc ceux qui vont pouvoir partager tout à l'heure, qui vont pouvoir voir que le deuxième match que RCK vous fait vivre côté Lyon, tout ça nous poser, on est là tranquille pour ce match. Alors le 12. Le 12, jeudi KL. Alors qui relance. Qui relance vers Sylvestre. Malheureusement balle perdue parce que là-bas. On est là, parce que mon général je peux pas gérer tout en même temps faire le parce qu'il faut que je visionne un petit peu par rapport aux caméras. Donc du côté de l'équipe de la Rochelle, il y a le 5 qui envoie pour le 13. Bon, j'ai pas les noms, hein. Oui. Il y a une faute de Jeudi Kael. Jeudi, lâchez. Donc il y a une touche pour le Rochelle là. Un long transversal vers le numéro 7. Mais c'est mettre pied. Qui passe au 11. Interception du numéro 5 de la Guadeloupe. Après, on va prochain changement. Allez, c'est reparti. Alors, le 11 pour le 6 de la Rochelle. Ça revient sur le 7. Attention. Malheureusement. Babas. Bon, il y a corner pour l'équipe en bleu. Dans l'équipe de la Rochelle. Rochelle. Donc. Le 5 qui va pouvoir lancer un balle. Voilà. Bon. Passer à côté, juste au dos de la lucarne. Désir, quand vous pouvez jouer.
Guadeloupe, c'est une équipe très jeune. On a relancé le comité d'entreprise chez nous. D'accord. Donc c'est une équipe qu'on a mis en place spécialement pour cette tournoi. Et puis l'année prochaine, on va revenir en France. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors c'est reparti côté Guadeloupe. Ouais. Donc c'est le 6. Sylvestre. Ah, dommage, il est en jeu. Alors le 5 de qui tient le ballon pour le Shell, qui envoie pour le 9. Le ballon pour la Guadeloupe. Attention, récupération du 13. Il passe au 9. Hé, Jésus, Jésus, pas de bonjour pour la Timal. Jésus, Gaël. Arrêtez, on va vous jouer, mon gars. Donc Babas, il voit qu'il va passer le ballon pour. Vincent. Ah là là. Directement sur le gardien. Malheureusement. Nous avons notre arbitre de touche qui est juste en face de nous. Un petit coucou arbitre de touche en direct, hein. C'est tranquille. Voilà. On a Babas pour Samuel. Samuel malheureusement pour l'équipe adverse. Alors gardien de l'Auchel pour le 6. Qui temporise. Qui envoie pour le 5. Toujours de la Rochelle. Touche pour l'équipe de route de Guadeloupe. Il va être fait par le 12, jeudi quand même. Bon, il y a deux changements. Il y a le 9, Christophe, plus le 14, c'est Steve. Alors Samuel qui récupère le ballon, qui passe à Babas. Récupération du 7 de Rochelle. L'autre côté, j'ai dit, qu'on est l'autre côté là. Michael récupère le ballon, qui passe à Babas pour Samuel. Le moine. Touche pour la route de Guadeloupe. Attention. Bonne action de la Guadeloupe, malheureusement. Le gardien a bien anticipé. Alors on a une touche pour l'équipe de la Guadeloupe. Vous pouvez jouer à gauche avant moi. Hein? Prochain sorti, mais je dis comment c'est. Venez. Il y a un changement judiciaire qui va être remplacé par Gary Bier pour la Guadeloupe. Changement judiciaire qui vient de sortir. Ouais. Voilà. Judiciaire qui vient de sortir. Il est remplacé par le 4, je dis Gary. Allez Mika, chef. La Rochelle qui repart. La Rochelle qui repart avec le 8. Le 8 qui relance pour le 7. Et voilà l'action du côté de la Rochelle qui cherche déjà un partenaire. Il retrouve le 9 qui est dans la surface de réparation. Donc voilà, tête bien sûr de l'équipe de 13 de la Rochelle. La Rochelle repart. La Rochelle repart avec le 14. Le 6 qui récupère le ballon. Voilà. La récupération. Les gars,
Mabon qui fait une transversale vers. Allez Gagouya qui passe le ballon à Sim. La faute. Alors il y a une faute pour la Guadeloupe. Un petit coup franc. Ouais ouais. Un petit coup franc, oui, tout à fait. Un petit coup franc tiré par le 7 dans la surface de réparation récupération du gardien de La Rochelle. Donc ça pour dire que 1-0 déjà côté La Rochelle. Donc il y a une touche pour la Guadeloupe qui va être faite par Babas. Babas pour le 9. Et Karim Kam qui récupère le ballon. Pour Sylvestre. Karim Kam encore. Qui va sauter. Juste à côté. Appliquez. Allez. Malheureusement, interception du gardien de la Guadeloupe. Narcisse qui repart. Le 8 qui récupère du côté de La Rochelle. Le 8 du côté de La Rochelle qui récupère. Le 9. Le 7 du côté de la Guadeloupe. Voilà, contrôle du ballon. Montez sur les côtés. Montez sur les côtés. Fais le ballon passer. Fais le jambé. Le ballon récupéré du côté de La Rochelle. La Rochelle, le ballon. La Guadeloupe. Voilà, le 10 qui essaie de rentrer un petit peu en contact avec hors jeu. Charles. Récupération côté de la Guadeloupe qui repart. Mon bol à l'arrière. Voilà, donc qui repère le ballon là. Voilà. Malheureusement, un petit contre-attaque avec une équipe de la Guadeloupe, un joueur de la Guadeloupe, c'est le 10 du 3. Jacques, ferme le couloir, Il est déjà là. Ouvre à gauche, oh, dommage. Victor, le ballon pour la Guadeloupe. Victor pour Steve. Pour... Oui. Allez, Victor, on descend. Du pas du boule, allez. On a eu deux pour la Allez les gars. Oh. Le 13 de La Rochelle qui passe au deux. Récupération de. Ça part, Jean-Charles. Il y a 5 minutes. Bonne égalisation.
La balle elle est sortie. Bien joué. Allez, sort, bien joué. On touchera pour la boîte. Touche à ton plan. Il est tout seul, gars, il est tout seul. Le gars, il qui donne. Allez, laissez-la, allez, vas-y. Allez, pompe. L'accélération sur le gars, grand. J'ai vu le tacle, monsieur. Le Charles. C'est bon, joue, joue. Tu peux, prends la balle, tu peux le faire, vas-y. Allez, parfait, monsieur. Vive-moi, pas que seul. Pas mal. Franchement. Allez, les gars, allez. Oh là là. Les gars. Alors, Sylvestre, il pense à Michael. Ah là là. Là, le joueur du Michael, récupéré par l'équipe de Chiel, le 7. Le 7 qui arrive dans la surface de réparation. Malheureusement, le 20 a réceptionné un petit peu le ballon. Le côté de la Guadeloupe, ça va un peu. Si vous pouvez un petit peu savoir se maîtriser un petit peu, ça va y aller. Gary. Attends, la balle sera en finale. Prends-nous là, les gars. Oh, les gars, ça va mener. Bougez ce petit bois. La Guadeloupe récupère une faute, bien sûr. Donc ça repart devant. Pour le 6, ça arrive au bras du gardien de La Rochelle. La Rochelle repart avec le 6. Le 6 qui déborde pour le 8. Le 8 ou le 9. Le 9 encore pour le 8. Récupération du 5 de la Guadeloupe. Encore le 8 du ballon de La Rochelle qui récupère pour le 3 derrière. Côté La Rochelle, le 6 récupère le ballon. Allez, Michael, reviens, Michael. Michael, reviens, ne marche pas. Mais s'il peut te. Mais s'il est, les gars, s'il ne peut pas. On part, c'est que du direct, mais c'est l'entraîneur de l'équipe de la Guadeloupe, le président qui parle, qui s'énerve un petit peu, mais c'est normal. On est en direct sur la radio RCK.
C'est pas grave, non, on est en direct, c'est du direct. C'est pour voir un petit peu la motivation avec toi, ce que tu fais avec les joueurs, ils vont pouvoir voir ça. C'est en direct, tout le monde voit, mais c'est un travail qu'on fait, éventuellement pour valoriser un petit peu notre culture avec les Lyonnais, qui font toujours, souvent ces tournois de football. Et lorsqu'on arrive ici avec eux, ils sont aussi des briscards aussi, hein. Donc il faut s'affronter avec eux. Et une bonne préparation avec l'équipe de la Guadeloupe qui n'est pas si mauvais. Et on fait le travail. Voilà, c'est reparti. Voilà, qui passe du 8, qui relance pour le 10. Le 10 qui repart. Le 3 de la Guadeloupe qui. Voilà, le 20 récupère le ballon. Et puis le 3 récupère du côté de la Guadeloupe. Voilà. Le 7 du côté de la Rochelle qui laisse une petite place. Voilà, le 3 qui récupère du côté de la Guadeloupe. Donc, on y va. Récupération. Voilà, balle sortie. Laissez la mi-temps. C'est la mi-temps. On va revenir pour la deuxième mi-temps sur votre radio des Caraïbes. On va revenir pour la deuxième mi-temps. C'était en direct sur la radio RCK. On va revenir sur la deuxième mi-temps. Donc, pour l'équipe. Le Guadeloupe 0, mais pour l'instant. Pour l'instant, rien n'est encore joué. On espère faire mieux. Deuxième mi-temps, on va s'éteindre. On va avoir les entraîneurs. Je fais confiance. On va motiver les gars. Mais comme je disais, c'est une jeune équipe. Les gars, restez. On a des blessures parce qu'on a repris cette équipe en mer avec les responsables. Il n'y a que 6 mois d'existence. Respirez les gars. Il y a 6 mois d'existence, comme tu peux le constater. C'est des jeunes et des moins jeunes. Hein. Oui. Mais c'est une première expérience pour nous et je pense que d'ici 2 ans, on va revenir pour vraiment gagner ce tournoi. Parce que comme je veux dire, c'est une première, parce que c'est une radio que j'ai ici en métropole. Je valorise un petit peu notre culture, ce qu'on fait. Et c'est pour nous que tu puisses le faire ce matin avec le groupe Granit, de Supernoir. C'est une poignée payante, c'est une pour vous même. Et donc, ils m'ont parlé aussi pour pouvoir aujourd'hui de venir vous donner une petite en direct, vous allez pouvoir le partager. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut venir avec une équipe des compagnies, des tournois en métropole. Et donc, vous êtes très préparés. Il y a des enjeux, le décalage horaire, c'est pas évident. Mais j'espère que ça va y aller. Et je vois de ton direct, je vous partager pour certaines personnes que dans mon temps, et je revenir avec la deuxième mi-temps. Mais pour toi, c'est potentiel. L'année prochaine, vous allez vous donner. Si aujourd'hui, là, c'est pas fini encore, parce que ça veut mettre 1-0. La prochaine, donc, c'est pas fini. Il y a 18 millions encore à jouer. Donc là, les collectifs à écouter et alors les rester aussi pour être motivé pour ils sont déjà préparés aussi de retourner, donc l'organisation qui ne peut pas recevoir leur dire ce que tu as à leur dire aujourd'hui. Ce que j'ai à leur dire, c'est de continuer comme ça et de, comme tu disais tout à l'heure, il y a 18 minutes, le match n'est pas terminé et comme je me répète un peu là il y a des jeunes, on a relancé le bazar. Et je pense qu'on peut gagner ce match. Je tiens aussi à te remercier, je ne te connaissais pas, je tiens à te remercier pour le travail que tu fais pour la communauté. Hein. Ouais. C'est un travail très important qui relie la façon de faire d'ici et de là-bas les Guadeloupéens, enfin les Antillais-Guyanais. C'est un travail important. Je te dis de continuer à le faire. Et après, on force là pour vraiment faire parce que c'est très important que nous retrouvions nous. Si tous les supports médias. Et justement, c'est aussi comme tu viens de dire, donc nous là, puisque pour m'en parler, je m'étais dit pourquoi pas, comme vous caméra, et de faire en sorte que des fois, de médias, vous êtes là, il y a un média qui vous suit. Et c'est une opportunité comme ça, je vais pouvoir vous donner la force et à ta force là, on continue. On va continuer sur la deuxième mi-temps parce que ça va repartir tout de suite. Ça va partir tout de suite parce que c'est une petite pause quand même. Alors tu reprends le micro et puis on va faire pour la deuxième mi-temps. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Allez,
tort. Tu la mets là, je sais que tu vas la mettre. Je sais ça. C'est la bulle dans la caméra. T'inquiète pas, tu verras. Ça va le motiver. Il y a des remplacements ou pas? Un 8, s'il vous plaît. Le 8, le 8. Vanguilla, s'il te plaît, ou assis. Regarde, c'est à 11 là-bas. C'est bon. C'est bon. Vas-y. C'est reparti pour la deuxième mi-temps. Et on signale que l'équipe de La Rochelle mène 1-0. Ce match n'est pas encore perdu pour l'équipe de la Guadeloupe. Ça repart du côté de La Rochelle. Le 3 qui récupère pour le 5. En exception, il récupère le 8. Le 8, le 9, le 12 qui récupère. Attention du 12 qui récupère le 2. Le 6 qui récupère du côté de La Rochelle. Le 5 du côté de La Rochelle qui récupère, qui remonte, voilà, le 10 du côté de la Guadeloupe, Samuel. Le 14, il y a une petite association avec le 3. C'est pas grave, ils vont pas te faire de cadeau, grand. Allez, vas-y. Allez, Jean-Charles. Où que fait-il? Déplace ce cimicier, on est juste là. Où Jean-Charles? Je dis, allez, je dis. Allez, c'est pas grave, allez, Lucas, continuez, les gars. Donc, le 10. Non! Lâchez, c'est pas grave, c'est pas grave! Lâchez-vous, là! Reviens! Je dis! Allez, chaud, les gars! Oui, Fabien, viens! Là! Fabien, viens! Eh non! Ça joue pour le ciel. Pour le 11. On va pour le 9. Petite tanonade qui a récupéré le côté de la Guadeloupe. Le 14 qui récupère. Samuel, c'est ça. Non, joue là. Jean-Charles. Il faut que tu traverses. Tu dois traverser sur le gars. Mets sur le côté. Allez, tac! Aïe. Allez, Judy, voilà. Allez, voilà, allez! Donne! Ça va, Jean-Charles! Ça va, Jean-Charles! Hey, Marvin! Où va ça y faire? Marvin! Où va ce ballon ça y faire? Alors, j'y vais, mon dieu! T'as laissé arriver encore! C'est bon? Regardez, les gars! Ok! Allez! Attention! Oui! Super arrêt du goal Narcisse. Ouvert la dé, ok. Le 2 qui récupère. Sur les côtés, voilà. Le 10 qui donne à le 7. Traverser ce missier, pas de temps pour lui. Allez, c'est pas grave. Je vais passer vite. Allez, tu peux. Non. Victor, qui a le ballon. Victor, qui a le ballon. Chut, il m'a. Allez, les gars. Et Sylvestre. C'est en direct, il n'y a pas de soucis, c'est du local. Une première pour RC4, t'inquiète pas. Une première, vous allez vous régaler un petit peu. Les réseaux sociaux vont voir. On est venu pour démotiver un petit peu. T'inquiète pas. C'est en direct, c'est pas fait comme ça, c'est fait local. Super. Voilà, ok. C'est bitant à nous-mêmes, j'en connais. Voilà. Pour un tournoi de football, on fait d'une façon à nous. Laissez.
Attention, bien sûr, tournez devant. Jésus, tournez devant. Tournez devant, les gars. Amen. Tête du 9, récupération du 11 de la Guadeloupe. Pour le 12, je dis qu'à elle, il passe. Oh là là, malheureusement, malheureusement, la balle est sortie. Allez, 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 les gars! Ahmed, la mode! Il n'y a pas de famille, ni à la vie. Il a eu. Alors, touche pour Ocean, pour le. Collègue! Le 9, le 9, le 9 qui a le ballon. Ah, la récupération du 10. Aïe, aïe, aïe! Allez, allez, c'est pas le 8 de la Rochelle pour le 9. Le 9 qui aura le 10. Le 10, attention, attention, attention. Bonne défense du 2. De Babas de la Guadeloupe, de Guadeloupe. Jésus, c'est bon. Marvin. Moi, j'ai dit devant. Jésus. Jésus, t'as passé devant. Ouais. Le 10. Centre du 10. J'ai dit, on nous va. Côte de Rochelle sur le. Hein? Attends là, Dimitri, arrêtez ça. C'est monsieur malin. Hey, je dis, soufflez les mains, soufflez vos oreilles, nous allons avoir des rapports. Bodo, Bodo, souffle. Donc le 17 encore, c'est l'entraîneur. Hein. L'entraîneur, le 17, voilà, ouais, c'est l'entraîneur. Le 17, ouais. Il a voulu motiver les troupes. Les troupes, oui. Exemple, ouais. Le souffle. Oui, il manque un petit souffle. Oui. La préparation des jeunes, et puis éventuellement, voilà. ça arrive. Hein. Ouais. Donc on fait avec le moyen du bord. Pour une première fois, je dis qu'on fait un peu local. Moi, je suis une chaîne privée, RCK en métropole. On s'est un petit peu valorisé. Ça me donne aussi des idées à pouvoir un petit peu venir avec vous chaque année et valoriser un petit peu ce qu'on fait dans le local, éventuellement, parce que eux aussi, ils ont aussi des gens qui filment avec eux, mais nous, on va pouvoir regarder et ça va donner un petit peu d'artiste aussi aux joueurs de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire aussi, se positionner. Et quand on regarde complètement l'état de jeu, eux, ils jouent éventuellement. Donc, c'est reparti du côté de Guadeloupe qui repartira. Côté de la Rochelle, le 9 qui a le ballon, qui cherche un partenaire. Samuel, malheureusement, mais il n'a pas récupéré. Hein. Ouais. Monsieur l'arbitre de tout, on te voit souvent sur ma caméra. Mets-toi au milieu. C'est important, c'est important. T'as raison. Oui, super. De la Guadeloupe, attention. C'est ressorti. Bonne défense de route de Guadeloupe. Qui la demande, les gars? Vous êtes collés, les gars. Bonjour. Ouais, c'est vrai. Ouais, salut. Qui Viens. Changement. Allez, c'est bon, c'est bon,
les gars, occupez des bougas là. Faites attention. Gardez cap Gali, gardez cap Gali. Samuel, ça va? Mettez-ci. Mettez-ci les côtés, les gars. Mettez-ci les côtés. Karamkam qui essaie de récupérer le ballon malheureusement une touche. Les gars, mettez en aide. Attention, ça arrive. Si, il y a fort. Arbitre, change-moi. Hey, Babas. Babas, viens. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Hey, hey, Sylvestre. Viens, viens. Sylvestre. Tu joues arrière-droit, viens. Tu joues arrière-droit. Restez là, vous souffrez, vous arrière-droit. Je dis c'est pour toi, je dis. C'est pour toi. Ah ouais, ça va tourner un petit peu. Écoutez, ouais. Allez, encore. Voilà. Allez. C'est pas grave. Va pas down. Si je vais pas, on va tout de suite. Hey. Allez là, qui vous dit, allez là, les gars. Jani on. Et Bordeaux à l'attaque, Eh, ni on ni bla, les gars. Bordeaux, ni on ni bla. Allez, il passe pas. Allez, encore. Joue. Voilà. Sur les côtés. Allez, Marvin, les gars, ça Kevin, les gars. Marvin. Arrête. Si je joue dans le côté, vous voyez à la carte. Si tu accélères, Mickaël. Ça dégage côté de la Rochelle. On va faire, c'était bon, les gars. Allez, Mickaël! Dano! Oui! Mais Dano! Mickaël! Oh, mais c'est là! C'est Messi! Non, mais franchement! Entrez la 14, entrez! Allez, Chichi! De Guadeloupe. Les gars, c'est pas normal ça. Fais jouer. Ça des boules là, regardez, clac, comment ça boule là, les gars. C'est pas fini, allez. Ouais. Comme derrière. Il n'y a pas de solution aussi. Ah oui. Attention. Aïe. Hey, Jacques. Non. Fais jouer, les gars. Jésus. Arbitre. Jésus. Changement. Jésus.
c'est pas un trou là, je m'en trouve. C'est à eux qu'ils sont à 50. Il aura taillé là. Sors de ce corps là. Allez. C'est bon. Allez, 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 allez. Samuel, ça va? Samuel, ça caille? Ballon. Ah ouais, oui. Passez, mais c'est ballon. C'est là, ballon à nous, pas. Non. Ballon à nous. Allez. Ouvert, le 2. Ouvert aussi là, la brise par lui. Monsieur l'arbitre. Ok. Ok, d'accord. Vous savez que normalement, si vous rentrez, votre joueur doit sortir. Hey, les gars, il y en a un joueur à Brissa. Mettez là. Ça me rend un joueur à Brissa, pas là, Marcel. Ils sont à 11, hein. Ils sont à 12, hein. Non, là, ils sont à 11, hein. Il y a ça y est, vous avez le trip 1 à 12, c'est fini. Je sais pas bien rappeler. Touche mon chien, celui qui sort, il rentre. Jouez là. Récupération de l'équipe de la Guadeloupe. Allez, Jouez, Égalisation du côté de la Guadeloupe. Égalisation, très beau match. Très beau match, monsieur, égalisation, président. Oui, on est content là, nous,
pour gagner match ça. Match ça pour finir qu'à rester 2-3 minutes. Allez, les gars. Je cherche la vie. On flex, les machins. Allez, pas boule là. Les gars, pas boule là. Eh, va bien devant. Alors, un but partout du côté de La Rochelle et Guadeloupe, un but aussi. Allez, Allez, les gars, c'est ça qui fait les confusions et les histoires. Égalisation. 2-1, ouais. 2-1. La dernière minute. Président, c'était un beau match. Président, mets-toi juste à côté. C'était un beau match, président. Et on ne doit pas être déçu. C'est un beau match. Vous avez égalisé. Mais comme on dit, c'est une première pour la radio. C'est une première. Eux, ils vont voir éventuellement les erreurs qu'ils ont faites. Et ils vont revenir encore la match à la prochaine. Je vous assure que cela est une bonne chose. Tout le monde soit là. Donc là, nous avons une petite température. Les gens ont battu ça. Du coup, nous sommes une patron. Et ça veut dire que nous, les gens bien, ils ont joué aujourd'hui. Valoriser un petit peu l'équipe Granit qui a joué avec Mayotte, ils ont perdu. Et les Maroès sont là, tu les entends. Donc c'est notre compatriote. Donc aujourd'hui, Guadeloupe est là, et toi arrivé avec La Rochelle, ça a été un match. Égalisation à l'instant, et puis deuxième but, voilà, c'est la déception, mais on est là quand même toujours. Tout à fait, comme tu disais, on est là, ça a été un très bon match. On a donné moi, tout ce qu'on pouvait, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Hein. Ah ouais. En général, quand on dit c'est pas 45 minutes de jeu, c'est ouais, voilà. 18 minutes de c'est 18 jeu. 18 minutes, ça va très vite, comme tu disais, ouais. Avec le changement, ouais, tout ça, ouais. le changement de température, tout ça. International Football, c'est 18 minutes, c'est pas 45 minutes de jeu. On dit un petit peu les joueurs, donc on comprend un petit peu les tournants, c'est comme ça se passe. Tu sais, il y a toujours un peu de déception, parce qu'on se dit toujours qu'on aurait pu faire plus, mais je suis quand même content des gars, ils ont donné tout ce qu'il fallait, et bon, comme on te dit, rendez-vous l'année prochaine ouais. Et on sera plus fort. Je te fais la promesse qu'on sera vraiment plus fort. J'ai vu que c'est du beau jeu, et il y a une tension avec les joueurs qui se connaissent déjà, ils savent comment, donc on dit l'année prochaine, si Dieu le veut. Et on viendra avec le paquet, on sera voir. Ouais. Et comment savent que nous nions en médias local qu'il a et nous que fait toute communauté soit vraiment fière de nous par rapport à ça. On va faire promesse là par rapport à ça dorénavant.
Et qu'on sait à Guadeloupe qui suivent par rapport à ça. Et donc c'était l'occasion de gagner ça, j'offre en soi là. Je suis en direct avec les partages de Facebook là, je pense que ça, je fais. Deux gens directs de Tournier, un direct de Canadien. Donc en direct, c'est du local. C'est-à-dire que quand on regarde le match de football côté de la métropole, c'est du direct. On voit Paris Saint-Germain, c'est encore plus médiatisé. Mais là, c'est du tournoi. Mais nous, on fait à notre façon, avec nos compatriotes de Guadeloupe, qui, quand ils gagnent ici, ils savent éventuellement, ils ont un effet qui leur suit, et de savoir que c'est du local qu'on fait. On ne fait pas du professionnalisme, mais valoriser un petit peu notre culture, ce qu'on fait, éventuellement dans le domaine du football, et être aussi sincère aussi à faire des choses concrètes. Donc je te remercie dorénavant pour le travail que tu fais. D'accord. Ce travail très important. À part flair, c'est un travail vraiment que tu fais pour la communauté, ça c'est très important, continue à le faire. Et de toute façon on fera tout pour, tu as déjà mis le support déjà en place, on va regarder le support, on va analyser ce qui a été, ce qui n'a pas été, ça c'est un travail qui va être fait en interne grâce à toi. Et merci encore pour tout ça, je vais quand même présenter le responsable des sports. Oui. Attends, je regarde sur la caméra. Vas-y, fais un petit peu plus en arrière. Vas-y, approche un petit peu plus en arrière pour que je puisse me voir aussi. Attends, un petit peu encore. Je vais. Attends. Voilà, attends, je vais zoomer. Voilà, je vais venir juste à côté. Ok. Donc, alors, tu disais. Je te présente le responsable des sports à Guadeloupe, le Rosiarg. Tu as vu, c'est le comité de social des agents de route de Guadeloupe. En fait, route de Guadeloupe, très brièvement, c'est l'ancienne DDE, parce que les routes ont été transférées aux collectivités. Effectivement, ouais. Et donc, on a un comité social, comme je te dis, on a remis ça en place il n'y a pas longtemps. Je laisse se présenter. D'accord. Et je te dis à bientôt. Et merci. Merci. Et nous, merci pour le travail. Bonne continuation. Alors, continue. Ils viennent me parler un petit peu l'engouement, ce qui se passe dans cette opportunité. Vous avez égalisé la dernière minute, c'est comme ça. Mais la Rochelle, c'est les gens qui vivent ici, qui connaissent un petit peu, on a aussi le décalage d'horreur et on est aussi motivé. Et l'année prochaine, pour une première pour vous, allez voir, parce que c'est en direct, c'est du local qu'on fait. On fait parce que tous les matchs qu'on voit sur TF1, c'est statisé, on voit du bon football, mais on voit du football local. Et donc ce que j'ai pu porter aujourd'hui, vous allez voir un petit peu, tu vas partager ça, je suis pas passé à vous, vous allez voir, et ce que disait le président, vous allez participer. Et l'année prochaine pour aujourd'hui, ce sera avec la Rochelle, avec un autre équipe pour cette année. Et pour nous partir, on coupe ici, quel qu'on soit Granic ou quel qu'on soit d'équipe Guadeloupe, nous partir, on coupe ici, parce que ça fait très longtemps que ça existe ici. On a une opportunité, une première fois, je fais avec vous et vous allez vous voir en direct. Alors, pour toi, cette opportunité de valoriser un petit peu, tu viens de me dire que tu es responsable de ce site côté Guadeloupe. Alors, pour toi, c'est au moins un petit peu notre culture, c'est ça pour le reste de la jeunesse, pas qu'à faire rien. Alors, donc, vous sont jeunes. Alors, qu'aura envie de faire pour la Guadeloupe? Ouais, c'est bon! Tranquille. Bon, alors, je me présente, salut les ceux qui vont pouvoir regarder cette vidéo. Bon, moi c'est Michael Cassingon, responsable des sports de Guadeloupe. Et alors, comme tu disais, dans un premier temps, l'objectif premier pour nous c'était de favoriser la cohésion entre les agents, les collègues dans la territoriale Guadeloupe. Voilà, précisément route de Guadeloupe. Et par cette participation dans le tournoi Colombier Seigneux, les vétérans, c'est nous permettre de nous donner une vitrine. Par le foot, par le football, et de favoriser les échanges avec la métropole et tout, et montrer qu'on existe, qu'on sait faire des choses. Donc, et c'est une première fois que vous venez ici? Non, c'est une première fois avec cette identité Glucosa. Mais auparavant, il y a 8 ans de ça, en fait, avant que l'association ne puisse se relancer, il y avait une autre association de la territoriale qui participait déjà à ce tournoi. On a déjà remporté. En 2008. Et le 8, c'est un beau chiffre parce qu'en 98, avec la Coupe du Monde, en 98, Donc ça va revenir, t'inquiète, reprends, vas-y. Donc c'est déjà favoriser la cohésion entre les agents, se rapprocher, se connaître sur un autre angle, l'aspect professionnel. Et comme on dit, deuxièmement, l'échange avec la métropole. Donc c'est un projet qui nous est venu, en fait, pas comme ça, Parce que voilà, monsieur le président
à des contacts. Ouais. Et donc le projet est né et on a dit pourquoi pas. Ouais. On a mis les bouchées d'eau pour que ça puisse se réaliser. Pour cette année ici. Ouais, voilà, pour agir. Voilà, pour cette année. Donc on s'est préparé depuis novembre. Novembre. Donc c'est très court. Très court. Voilà. Parce qu'on va dire aussi qu'il y avait déjà le Covid, il y avait beaucoup de choses qui tournaient. Il y a plein de choses. Maintenant ça reprend. Retrouver des agents qui jouent autour du foot, monter une équipe. Comme celle-ci, c'est déjà, comment dire, on a fait déjà pas mal. On a fait pas mal. Hein? Je suis satisfait. Ouais. Je suis très satisfait, même si on espérait plus. Hein. Mais le but premier n'est pas la victoire. Écoute, c'est l'échange. L'échange. Et en plus, vous avez égalisé. Il n'y a pas eu une petite. Ça veut dire qu'on est capable de marquer. Donc, vous allez revoir ceci qui était déjà en direct, vous n'avez pas pu le temps de le voir et de partager pour les gens de Guadeloupe. Et c'est une opportunité qu'on va dire que l'année prochaine, le média, moi, je serai là. Je vais revenir parce que ça m'a donné une petite idée. Une petite idée à faire les choses et faire les choses. Et qu'on va dire qu'à l'heure qu'il est, on sera connecté. S'il y a un média qui sera là, je vais essayer d'ouvrir d'autres portes pour d'autres comités à plus venir. Et moi qui est là, je sais que le travail. Je mets la pression. Mais pour un tournoi comme ça, ça demande aussi à savoir qu'au côté Guadeloupe, il y aura mais il peut y avoir les autres qui a joué. Voilà. D'accord, il peut y avoir les autres qui a joué pour un tournoi. Justement, il y a un connecté qui vient de se connecter. Mais il y a encore du bon travail à faire. Et on va continuer le travail, on est là. Et que de dire qu'aujourd'hui, si vous êtes déjà venu gagner une année ici, et ça fait longtemps que ça existe pour ce tournoi ici. Oui. Donc, on met cette équipe de Guadeloupe, ils n'ont pas peine. Au moins, ils ont gagné. Donc, tournoi pour finir, il y a encore d'autres matchs là, vous n'êtes pas éliminé. Non. Il y aura d'autres matchs pour peaufiner les classements. On va se donner à fond. Ouais. L'objectif pour nous, c'est de s'améliorer. Voilà, parce que comme je te dis, notre équipe, elle est très très jeune. Très jeune. Quand je dis pas en âge, hein, très jeune. Donc en termes de cohésion, on a fait un énorme boulot. Il y a un énorme boulot qui s'est fait en amont pour que les joueurs puissent se connaître ensemble, apprendre à jouer ensemble. On ne peut pas tout faire. Jouer en lendemain. Donc on a déjà fait pas mal. On s'est marqué des buts. Ouais. Voilà, ben on va continuer. Et pour que je puisse ajouter aussi. Un aptus, il y a aussi des vétérans qui jouent dans plusieurs équipes, qui jouent à côté de la Rochelle, il y a des vétérans, les vétérans avec les jeunes, et qui se disent, bon, les jeunes, voilà, ils sont pas. Alors, les gars, on sait qu'on est partagé avec les papis, les mamies, les tatis qui jouent, et donc, vous qui avez de la pression, quand on vous met, parce qu'il y a des briscards qui connaissent le football, hein. Donc, l'enjeu aujourd'hui, on l'a vu. Donc, là, c'est une opportunité de savoir que c'est tout un mélange. Il y a des jeunes qui jouent avec des vétérans aussi là, de La Rochelle. Donc l'astuce de dire que, et ils viennent pour ça, ils boivent leur petite bière là, ils décollent. Hein. Mais nous on a de pression, on va gagner. Il faut qu'on fasse quelque chose de solide. Et moi j'ai confiance en toi et j'ai confiance au président et de partager. Et demain vous êtes là samedi. Vous êtes pas samedi avec un autre match parce qu'il y a aussi l'équipe gagnée de Pointe-Noire qu'ils ont gagné hier 3-0. Ils ont perdu ce matin 3-0 par la Nouvelle-Calédonie, c'est ça, Mayotte. Hein. Donc c'est pour nous, on est dans les bols d'arrêt parce que Mayotte, si c'est pour rencontrer Mayotte demain ou notre équipe, on est toujours dans l'aspect. Mais il faut y venir les gagner ici à Paris. C'est ça pour nous nos objectifs. Vous gagnez chez eux ici pour dire que nous, on vient dans une mission pour qu'on ne puisse pas sortir les derniers. La prochaine fois qu'on vient, c'est avec la coupe. Hein. Ah, d'accord, voilà. Donc, okay. Le mot est dit. Le mot est dit, d'accord. Voilà. Okay. Merci encore. Okay. Merci. Et puis, comme on dit, c'est toujours la force et pas dépasser les bois. Pour moi, vous avez fait du bon travail. Vous avez égalisé. Il n'y a pas eu une petite quart d'heure de minute pour avoir cette petite cohésion qui n'a pas été faite. Mais le président a tout vu. Vous allez voir ça sur les réseaux sociaux parce que c'était vraiment en direct. Donc, en direct, que ce soit le télé local ou c'était la une Guadeloupe qui a diffusé ça, il était vrai. Hein. Donc, c'est ça le local pour nous. Donc, on reste soudés. Et demain, je suis là avec vous. Et puis encore, on va refilmer ça et ça sera collusion. Ok, partagez ça sur les réseaux sociaux. Ok, vous êtes soit là et ok, vous êtes tranquillement assis en couche à zot, la zot est posée zot. Ok, vous êtes ça zot fait et ok, anticipé. Et l'autre équipe qui a joué avec zot demain là, ok, ça cap vous êtes fait. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Ok, c'était RCK Caribéenne et de partager ceci avec toi. Et le nom de l'équipe, vas-y devant le micro, vas-y, le nom de l'équipe. Oui, le nom de l'équipe, ben c'est. COSAG, route de Guadeloupe. Route de Guadeloupe. Alors, COSAG qui veut dire Comité des œuvres sociales des agents de route de Guadeloupe. Alors, les routes de Guadeloupe, alors qu'est-ce qui se passe aux routes de Guadeloupe maintenant? Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe aux routes de Guadeloupe? Ouais. Ben.
Alors, nos missions premières, ouais. c'est la gestion, l'entretien, l'exploitation des routes. Oui, exactement. Route nationale, ouais. route départementale, qui était auparavant jusqu'à 2008 ouais. Gérée par la DEAL, en fait, la DDE. La DDE. Ouais. Il y a eu une séparation des compétences. La DEAL s'est créée ouais. et ben, en Guadeloupe, ben, on est la seule entité territoriale ouais. à avoir gardé cette compétence sur les routes nationales et départementales. Donc on est un syndicat mixte. Un syndicat mixte. Le seul. Donc partout ailleurs, je crois que c'est la. Ouais. C'est quoi encore? Comment ça s'appelle? C'est DDE? DDE ouais. hein, qui s'occupe de ça. Non, ouais. ils ont la dérive. Dérive, voilà, bon, voilà. Ouais. Ils ont une autre. Non, mais qui s'occupe soit des routes des départementales, soit des routes nationales. Nationales. Et chez nous. Hier, c'est des routes de campagne aussi. Pas des routes de campagne. Non, plus communal, d'accord. C'est vous ça, savoir quoi. Et donc, nous, on a gardé cette compétence. Ouais. Et donc, nous avons une entité territoriale composée d'une 300 d'agents ouais. qui se rapproche de 400. Ouais. Et répartis. Moi, je fais partie de la direction informatique. Informatique, ah oui, c'est ça, c'est bon. Oui, dans l'ordinateur, c'est géré. C'est genre de l'administration. Démission. Ok, toujours officiel. D'accord. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à Route de Guadeloupe? Qu'est-ce que je veux dire? On fait tout pour améliorer les voilà, routes. Améliorer comme les routes d'ici, comme les routes d'ici, comme ouais. d'ici voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Et ben, il y a Trafic Era. Ouais, Trafic Era. Voilà, c'est nous. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Trafic Era, c'est nous. Ouais, donc, d'accord. On apporte notre valeur ajoutée ouais. Avec les nouvelles technologies ouais. pour améliorer un peu. Les bordures de roues, ouais. la gestion du trafic. Du trafic aussi, voilà. ouais. La gestion des incidents. Et les incidents, par exemple, sur un barneux qui est marqué en bout. Alors, pas embouteillage, mais par exemple, il y a un accident qui se passe, qui se produit, ben. C'est nous les premiers à intervenir sur place et ouais. on permet aux secours, s'il y a besoin, d'adapter ouais. les moyens de plus rapidement possible. De l'événement. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Bon, c'est tout dit. Et donc, on va revenir. Et puis, ce soir, vous allez vous regarder, étant posé. Si en direct, vous allez vous reposer, je vais vous donner le lien de la radio, le lien du Facebook. Je vais écouter, tu vas écouter tout ce que tu as fait. Et voilà, de voir le direct sur ce qu'on a fait. Merci à vous, les gars. Et je vous dis bonne continuation. On se retrouve demain encore pour notre match avec vous. Et puis, nous, on va échanger. Ok, okay. Merci pour votre travail. Ok, d'accord. Okay. Voilà. RCK, votre radio des Caraïbes.